Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Moonrise. Donc on retourne au Kijang Village. Et on va bien voir, donc voilà dans la taverne, Get Those Portals. Ok, grosse baisse de framerate. Comprends pas pourquoi. Blâme. Alors, commençons. Hop. Ça va chier. Merde, il est empoisonné. Blast. Ça n'a pas suffi. Alors, ça devrait suffire. Fire Breath. Ben voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Hop. Pourquoi pas? Intéressant, il y en a une grosse quantité. C'est parti. C'est quand même assez simple pour le coup là. Et bim. Ça c'est fait. Oh. Toi t'es intéressant. D'accord. Au lieu d'être empoisonné en fait, il se régène. Il a un soin. C'est extrêmement pratique je trouve. Le problème c'est qu'en PVP les gens ils s'en rendent compte. Ok, donc le désastre est évité. Maintenant, pourquoi ne parlerons pas de ce... Avec, enfin, pourquoi allons voir, enfin, non. Maintenant au sujet de la discussion qu'on a eue avec le vieux Telt. Évitez. Vous avez vu seulement la première vague de la migration. Je dois aller jusqu'à un autre grand arbre pour les prévenir. Faites ce que vous voulez ici dans le pour faire en sorte que le village reste safe. C'est un. Stupide catastrophe naturelle, voilà, catastrophe, c'est ça que je cherchais. J'aurai mes réponses. D'accord. J'ai pas compris. Par contre, on doit se rendre dans un endroit. On peut pas. Je vois pas la discussion qu'ils ont. Excusez-moi, hop. Ouah. Il vient de loin celui-là. Apparemment, donc, ce qu'il veut essayer de dire, c'est que c'est pas tant leur nombre que leur agressivité en tant que Lunari. Il faudra donc en soigner un paquet, les rendre Solari en mode Solari, pas en mode Lunari, pour réduire un peu les attaques. D'accord, pourquoi pas. Bah, on va faire ça juste pour toi, là. J'ai entendu parler d'un voyageur des Agarid Barons dans la taverne. Apparemment, il voudrait qu'on lui ramène un tas de pétales. Il voudrait ramener un tas de pétales chez lui. Ah oui, un tas de pétales, c'est ça, hein, je suis désolé, un tas de pétales chez lui. Et il est prêt à payer pour ça. Pourquoi il en voudrait un, hein. J'ai pas demandé. C'est juste de faire partie de la communauté, comme le Guildmaster, l'Askian, le Maladie. Je pense pas que ce soit vraiment ce qui t'est dit, mais juste au cas où, Loïs, c'est vraiment pas ce qu'il voulait dire. Allons voir ça, speak to Akil.
Give tête pétale. Tête pétale, c'est quoi tête pétale? You don't have a tête pétale to kill. Tête pétale. Tête pétale. C'est quoi un tas de pétales? On va aller là, on va aller voir. Fernand Paf. Ah oui, Slislug, il est pas très loin d'évoluer. Ça me dit quelque chose cette histoire. Blast. Oh, il a été ralenti quoi. Alors. Ma strike. Fire breath. Ça c'est fait. Dismiss, dismiss, dismiss. Yes, dans un niveau il évolue. Continuons. Encore des portals. Hop. Ça ne servira à rien. Quick Blaze. Alors, on a encore gagné, bien sûr, on est les meilleurs. Battle. C'est parti, Caustic Needle. Ah oui, c'est vrai, il bouffe les toxines, j'avais oublié. J'avais complètement zappé. C'est parti. Boum. Ça s'est fait aussi. Ça fait 3 combats, il me semble. Dismiss, dismiss, dismiss. Battle. Alors. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas pris mon café du matin. Ça c'est triste. Je l'ai complètement zappé. Mais bon, c'est pas grave. Et bim. Mass Strike. On sait pas ces combats qui vont trop faire évoluer notre Slislug rapidement. Voilà, on est pas prêt hein. Parfait, maintenant si même si certains de ces portals vont au village de Kijang ou Kijang Village, ils seront dociles amicaux. Ouais, bah ceux qu'on a soignés, oui. Le reste restera quand même aussi agressif qu'avant. Tu peux fêter la victoire ou t'apitoyer sur les pertes, Loïs. Il suffit simplement d'essayer quel genre de personne tu veux être. Bim dans ta gueule. Alors ça c'était beau. C'était carrément beau. On va aller là. Et on va aller voir si s'il y a, bah écoutez, des trucs qui évolueraient en tas de pétales. Je ne sais pas. Ok, c'est parti. Alors je pourrais envoyer Zapdragon dès le début, mais comme je m'attendais pas, je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. Ok. Ce côté là ça va.
T'as fait garder sur qui, l'ami? Sur personne, c'est dommage. Non, non, non. Ça par contre, ça risquerait de faire un peu plus évoluer notre Slislog, non pas plus que ça au final. J'aurais cru pourtant. Ici. Ouais, un bouquetin. Leafroot et Kragorn. Intéressant. Pourquoi pas, comme dirait l'autre. Brutal Blast. Meurs, charogne. Bon alors. Non. Oui. Je te donne ta chance. C'est parti, la suite, chers amis. La suite. Non, pas le boss, pas tout de suite. Un coffre. Ah, ah, ah. Archaïque orbe, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ils vont encore me dire que j'ai trop de trucs dans mon coffre, enfin dans mon sac. Putain. J'avais pas pensé à ça. Ok. Ok. C'est parti. Quick Blaze. Magma Strike. Charge the Wave. Parfait, on l'a eu. Dismiss, dismiss. Et le boss. Ah non, Cindertooth qui gagne un level. Puis enfin le boss. Rien d'intéressant. Bah dis donc, c'est vraiment pauvre comme niveau celui-là. Pour la peine, j'envoie The Dragon. C'est parti, ça va chier. Arc Spark. Voilà. Spark barrage. Ça c'est fait. Non. Oui. Ah. Je m'en doutais. Release. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, je dois sûrement avoir quelque chose d'inutile. Genre ce vulcature. J'ai deux buzzles pareils. Le Shrubble, j'en ai déjà un qui a évolué en Edgelock. Vulcature évolué, enfin 2-3 étoiles, j'en ai déjà un qui a évolué. Fashion Token, merci. Et pour le reste, on reverra. Hop, dismiss. Alors, pas grand chose niveau XP. Quelques petites choses quand même ici. Hop. Ah non, t'as trop de choses dans tes poches. Ah non, je m'attendais à ça pourtant. Tiens ben, on va aller voir alors. Fashion Caring. Ouais, du caca. Ouais, en plus faut que je manage mon inventory. Et équiper celle-là, puis vendre celle-là.
Ah oui, il fallait absolument que j'ai celle qui est cast, fast cast. C'est bon là? Non, toujours pas. Alors, c'est le vert. C'est bon? Toujours pas. C'est incompréhensible, chers amis. C'est à proprement dit incompréhensible. C'est bon? Toujours pas. Alors. Le vert comme ça, non. Ça non plus. Voilà, parfait. On le rappelle plus que c'est qu'un tas de pétales. Hein. Fight Lunari, on va voir. Hein. Hop. Caustic Needle. Allez. Eh les gars. Bon, apparemment j'étais très lent au début d'épisode. Plasma Bite. Bon, il est mort avant, dommage. Je n'ai pas envie de vous avoir dans mon équipe. Cassez-vous. Juste qu'on tombe sur un truc qui ressemble à un tas de pétales. Littéralement. Ah, le voilà. Le voilà, mon tas de pétales. C'est parti. Alors, boum. Parfait. C'est bon, on a ce qu'il faut. Cependant, je vais quitter ce combat là, et puis je vais en entamer un autre, mais avec un... De quoi faire évoluer mon Slislug, simplement. Alors, voyons voir. Challenge Warden. Je vais prendre un aventureur. Le plus gros. C'est fait exprès. Bon, il est classe, je reconnais. Oula. Ça risque d'être plus dur que prévu en fait. D'accord. Donc c'est un échec hein. Ok. Ok, ça pue. Je flaire l'échec à plein nez, chers amis. C'est un échec. Non. Donc pas le dernier, mais l'avant-dernier du coup. Un explorer. Alors. Caustic Needle. C'est parti. Root Strike. Hop. Arc Spa. Ouah, c'est super joli. C'est super joli ça. Shellback. La gueule, je suis surpris. J'aime beaucoup, chers amis.
interrompu, c'est dommage. Caustic Needle. Bim, ça c'est fait. Quick slam. Voilà, parfait. Là, niveau XP, je pense qu'on va en avoir gagné une certaine quantité, voilà. Déjà beaucoup plus intéressant. Pour tout le monde, d'ailleurs. Je veux faire évoluer mon Sleaslug. Hop, c'est parti. Ça va servir à rien d'avoir fait à toi en fait. Hop. Je déteste quand ils font ça. C'est parti, on continue. On est sur la bonne lancée, comme dirait l'autre. Ça, ça fait mal, je le reconnais. Il est balèze aussi, celui-là, en gros. Hop. Bim! Voilà, ça c'est fait. Ouais, vraiment très très balèze le gros truc là. Burning Claw, je sais pas trop quoi là. Allez, dernier, et puis après on le fait évoluer. Mais à quoi ça t'aura servi de faire hâte? Voilà, Quick Slam, bim, Revenge. Il est plus fort, j'imagine. Voilà, ça c'est fait. Encore un Shellback, il est vraiment stylé, hein. Je dois reconnaître que... Très très classe. Finalement, à moi, il me plaît beaucoup. Hop. Allez. Ah, Stone Shield, forcément. Oh, ça a pas suffi. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon. Voilà. Ah ah. Alors, je veux voir. Non, je veux voir l'évolution. Hop. 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 Evolve. Quoi? Je peux le faire évoluer en deux choses différentes. Blastropod ou Slispark. 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 Non, non, je vais le faire évoluer en Sli. C'est joli. Alors c'est quoi ça du coup, sa nouvelle technique? Storm Cannon. Sympa. Bon, et encore, on est encore loin de la prochaine évolution, chers amis. Mais bon, on va se laisser là, chers amis. On va récupérer la quête, excusez-moi pour la chaise qui grince, comme c'est pas permis. Hop, on va récupérer la quête. Encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam genre de la Playroom, donc vous retrouvez le lien de la dans la merde de la chaîne. Comme je le dis, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir de nouveaux abonnés. Chers amis, on se rapproche des 2000 abonnés, je vous en remercie humblement.
Et avec toute la gentillesse et l'amitié que je peux vous donner. Quant à moi les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.